Souvent, je regrette d'être venu moi-même en ce bas monde. Non pas que je haïsse le monde, non, j'aime le monde, le grand monde. Même le demi-monde étant personnellement une sorte de demi-mondain. Mais que suis-je venu faire sur cette terre si terrestre et si terreuse? Ai-je le devoir d'y rester? Ici, je suis venu pour accomplir une mission, une commission. M'y a-t-on envoyé pour m'amuser, pour me distraire un peu, pour oublier les misères d'un au-delà dont je ne me souviens plus? N'y suis-je pas important? Que répondre à toutes ces questions? Croyant bien faire presque à mon arrivée ici-bas, je me suis mis à jouer quelques airs de musique que j'ai inventés moi-même. Tous mes ennuis sont venus de là. Sport et divertissement. Je conseille d'écouter ces pièces d'une oreille aimable et souriante, car c'est ici une œuvre de fantaisie, que l'on n'y voit pas autre chose. Pour les recroqueviller et les abétis, j'ai écrit un choral grave et convenable. Ce choral est une sorte de préambule amer, une manière d'introduction austère et infrivole. J'y ai mis tout ce que je connais sur l'ennui. Je dédie ce choral à ceux qui ne m'aiment pas. Je me retire. Le bain de mer. La mer est large, madame. En tout cas, elle est assez profonde. Ne vous asseyez pas dans le fond, c'est très humide. Voici de bonnes vieilles vagues. Elles sont pleines d'eau. Vous êtes toutes mouillées. Oui, monsieur. La pêche. Murmure de l'eau dans un lit de rivière. Venu d'un poisson, d'un autre, de deux autres. Qu'y a-t-il? Ah, c'est un pêcheur, un pauvre pêcheur. Merci. Chacun retourne chez soi, même le pêcheur.
dans un lit de rivière. Le water chute. Si vous avez le cœur solide, vous ne serez pas trop malade. Il vous semblera que vous tombez d'un échafaudage. Vous verrez comme c'est curieux. Attention! Ne changez pas de couleur. Je me sens mal à l'aise. Cela prouve que vous auriez besoin de vous amuser. L'artiste n'a pas le droit de disposer inutilement du temps de son auditeur. L'artiste est certainement respectable, mais l'auditeur l'est encore plus. Le public vénère l'ennui. Pour lui, l'ennui est mystérieux et profond. Chose curieuse, contre l'ennui, l'auditeur est sans défense. L'ennui le dompte. Pourquoi est-il plus facile d'ennuyer les gens que de les amuser? Thank you.